Steve Bernard, qui vient me rejoindre ici, remporte le championnat combiné Green Bay RPM. C'est un gros titre pour toi, Steve. Tu remportes le championnat au RPM. Et là, ben, c'est la constance ailleurs qui t'a permis d'aller chercher ce championnat combiné. Là, parle-moi de comment tu te sens ce soir. On se sent très bien parce qu'en plus, on a un petit accrochage au début de la course. Puis, à un moment donné, je pensais pas réussir à remonter assez vite. Mais faut croire que la voiture était vraiment bonne. Puis, vers la fin, on avait juste plus la capacité de remonter. Je priais pour pas que Steve soit capable de dépasser François puis qu'il finisse là pour qu'on puisse avoir assez de points d'avance. Steve, c'est peut-être pas la saison que tu espérais à Green Bay. C'est un championnat qui t'échappe une nouvelle fois cette année. Mais là, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que l'équipe Robert Bernard va tout tenter à nouveau en 2017 pour apporter le championnat qui nous manque dans le garage. Oui, effectivement, on a réussi à avoir une voiture parfaite ailleurs, sur d'autres pistes. Green Bay, c'est encore notre bête noire. On s'approche, par exemple, la voiture de ce soir allait de mieux en mieux. Puis je pense qu'avec ce qu'on a là, si on continue à travailler fort, l'année prochaine, on devrait être en mesure de s'approcher du championnat. Les deux frères Bernier étaient excessivement rapides tout au long de l'année. Fait que je dirais qu'il va falloir qu'on hausse notre niveau d'un cran si on veut réussir à les battre l'année prochaine. Steve, félicitations pour une autre super belle saison. Merci beaucoup, puis je vais féliciter François pour son quatrième championnat à Green Bay. C'est tout un exploit parce que c'est vraiment une track difficile. Fait que je lève mon chapeau. Félicitations, félicitations François, félicitations Steve aussi. Steve Bernard, un réel champion. Il est le champion du Coupe.